Des années et des années à repenser, à ruminer. Mais impossible d'accepter que cette aventure soit terminée. Miss Acacia hante mon esprit, quoi que je fasse, quoi que je veuille. Je vais la retrouver, elle, et celui qui m'a crevé l'œil. Alors oui, je suis de retour, et je viens pour bouleverser l'histoire. Je ne resterai pas à Édimbourg, me laisser croupir de désespoir. Je ne peux plus me satisfaire de ne la voir que dans mes rêves. Je suis venu pour la récupérer, de toute façon si je n'essaye pas, j'en crève. Je vais revoir aussi mon pire ennemi, le petit Nabo, ce Little Jack. Et en m'approchant de lui, j'ai tout de suite réentendu le fameux tic-tac. Je l'ai regardé de mon seul œil, et j'ai tout de suite senti monter la pression. J'ai vu la haine dans les yeux de Jack. Il fallait qu'on ait une discussion. Je lui ai expliqué que je n'étais plus le même, et que le fait d'être borgne m'avait changé. Moi aussi j'ai souffert d'être différent, mais je ne suis pas venu là pour me venger.